nous sommes à la Fierté Gaucher pour le week-end pilote organisé par Adventure. L'Adventure qui souhaite remercier ses clients et puis vous proposer un week-end où on va s'amuser, on va progresser. L'objectif numéro un, c'est de s'amuser et de se faire plaisir ensemble. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux pilotes de se faire plaisir et de profiter de leur paramoteur. On a un excellent cadre avec une belle piste, des hangars, des infrastructures qui nous permettent vraiment d'accueillir les gens comme il faut. Et puis on a une équipe technique avec Francis Cazot qui est l'instructeur sur place, avec moi-même, Cédric Raffestin. Donc on va leur donner des conseils, on va leur permettre de progresser, de s'amuser encore mieux, avec plus de sécurité. Puis on va tout faire finalement pour qu'ils s'amusent, ces pilotes. Le paramoteur est le plus simple des aéronefs. Il est constitué d'une voile souple de parapente associée à un groupe motopropulseur, le moteur qui va nous permettre de monter et de décoller sur le plat. On a aussi fait venir Cyril Planton et Boris Sisbauer qui sont des pilotes de haut niveau et qui vont donner des conseils aux pilotes durant tout le week-end. Donc on a des pilotes mais on a aussi des débutants qui sont des élèves. Donc il y a différentes écoles d'un petit peu partout de la France qui sont venues à ce week-end. L'objectif premier, c'est d'avoir des activités ludiques qui permettent de progresser. Pascal nous a proposé plusieurs épreuves, dont des épreuves de gonflage au sol, de slalom, qui permettent d'ancrer dans les mentalités des gens que c'est aussi au sol qu'on progresse. On met deux pilotes côte à côte et ils font la course. C'est le premier arrivé en fait qui gagne. Souvent, c'est les meilleurs en vol qui sont les meilleurs aussi au gonflage. Faut bien passer à l'extérieur, hein. C'est parti. Jean-Luc, du bon côté, non, oui. Allez Christophe, bats-toi. Clément. Oh là là, Cyril est en tête. Super, je suis contente. Pour moi, ça a été aussi la découverte de la précision d'atterrissage avec les quilles. Et la navigation sur lesquelles j'avoue que j'étais un petit peu perdu. Ensuite on a une navigation. Vous avez 1h45 pour décoller. 35 et 45 km. Je vais vous remettre une feuille sur laquelle une petite photo sympathique. Vous devez reconnaître les photos sur le parcours. Si vous avez trouvé la 8 ici, vous faites un trait ici. Et une fois que vous êtes atterri, vous venez me voir. J'ai un petit calque que je pose sur votre carte et je regarde si les traits sont au bon endroit. C'est parti! Ah, t'as un truc 4? Ouais. Ah, c'est bien, hein. Super condition à refaire au plus vite. Cyril nous fera une petite démo. Faut pas le dire, tu coupes ça.